Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur CDS Grand Cross et on va invoquer sur le portail de Ragnarok, hein, le troisième portail Ragnarok. Mais avant d'invoquer, n'oubliez pas, il y a les events aujourd'hui, dont il y a ce petit event là. Donc si vous faites les quêtes quotidiennes et que vous en faites 33, hein, donc en plusieurs jours, vous allez obtenir 33 diamants. Donc très très intéressant, donc n'oubliez pas de le faire, voilà. C'est plutôt intéressant d'avoir les 33 diamants, hein. Pas se le cacher. Ensuite, dans les deux démons là, n'oubliez pas, faites-les quoi, tout simplement. Puisqu'il y a 5 tickets à prendre pour ce démon là, et 5 tickets à prendre pour ce démon là. Donc une multi, donc vous pouvez faire une multi gratuite grâce à ça. Donc n'oubliez pas aussi de faire ça. Bon, après il y a d'autres events, mais je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, voilà. Donc on part directement pour le portail. Alors, déjà, est-ce qu'il faut invoquer sur ce portail avant de voir les personnages, hein? C'est compliqué. Moi je dirais que si vous êtes free to play et que vous n'avez pas beaucoup de diamants, gardez tous vos diamants, puisque théoriquement dans 2 semaines il y aura le gros portail fest, donc pour les 2 ans et demi du jeu japonais, de la version japonaise quoi. Donc dans ce gros portail il y aura The One, il y aura Ban Purgatoire, il y aura Merlin Fest et le nouveau Fest, je crois que c'est King Adolescent, moi je l'appelle parce que bon voilà, il fait pas trop adulte non plus. Mais voilà, donc ça va être un portail juste insane, hein, sincèrement, les 3 meilleurs personnages Fest et le King, je sais pas ce qu'il vaut, mais bon voilà. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de diamants, gardez tous vos diamants pour le portail fest. Voilà, très très sincèrement. Maintenant, si vous mettez de l'argent dans le jeu, bah, vous faites ce que vous voulez. Mais ou sinon, moi, je vous conseille de garder. Comme vous voyez, moi, j'ai 900 diamants. Et aussi, hein, de toute façon, j'ai plein de diamants dans mes quêtes. Hein, parce que bah, je les récupère pas. Voilà, tout simplement, je les garde ici de côté au chaud. Pareil pour les Ragnarok, quoi. Donc, j'ai quelques diamants de côté, j'en ai 900. Je ne pense pas aller jusqu'au 600, ça me ferait mal d'aller jusqu'au 600, donc on va aller jusqu'au 300. Je ne pense pas que j'irai plus, hein, parce que, comme j'ai dit, il y a le portail fest, et le portail fest risque d'être, enfin, sera bien plus intéressant. Voilà, il n'y a pas à tortiller, il sera bien plus intéressant. Alors, le nouveau personnage, donc, Megelda, je sais pas comment ça se prononce. La Valkyrie, donc qu'est-ce qu'elle fait? Inflige des dégâts d'amplification égaux à 180% de l'attaque à un ennemi. Bon, voilà, là c'est l'attaque de Escanor rouge. Soigne les PV de tous les alliés à hauteur de 130% de l'attaque et octroie restauration pendant un tour, ça c'est pas mal. Donc restauration, c'est récupération supplémentaire de 60% des PV soignés au début de chaque tour. Donc c'est vraiment, vraiment très sympa ça comme skill pour le soin. Hein. Ensuite, ça se paye. Inflige des dégâts de domination égaux à 630% de l'attaque à un ennemi. Bon, voilà, domination, on en a beaucoup en ce moment, hein, des personnages de domination, donc on connaît. Et donc, du coup, son passif. Dans le combat avec démoniaque, chaque fois qu'un allié est soigné au maximum de ses PV, applique un effet sur ce héros qui augmente toutes ses stats de 8% pendant 5 tours et ça se cumule 5 fois max. Donc très intéressant. Alors voilà, elle est faite pour l'oiseau en fait, hein, tout simplement. Elle est faite spécialement pour l'oiseau pour pouvoir réussir le dernier niveau, je crois. Mais bon, là j'en suis pas sûr parce que je suis jamais arrivé à ce niveau là. Mais voilà, elle sert pour ça. Maintenant, est-ce qu'il faut invoquer dessus, hein? Voilà, moi je vous conseille, si vous êtes free to play et que vous n'avez pas beaucoup de diamants, gardez pour le fest. Maintenant, si vous avez 900 diamants et que vous voulez un peu invoquer, voilà, un peu vous amuser, vous pouvez un peu invoquer, voilà, mais n'allez pas jusqu'au 600. En tout cas, je vous conseille pas d'aller jusqu'au 600. Ensuite, la Merline. Du coup, la Merline affiche des dégâts égaux à 86% d'attaque à tous les ennemis et applique électrocution. Bon, ok. Ensuite, réduit les stats défensives d'un ennemi de 20% et neutralise les compétences de récupération et de bonus pendant 2 tours. Bon, voilà, c'est à peu près pareil. Et là, ça bloque tout sauf les compétences de bonus. Bon, voilà. L'aspect. Réduit les stats PV de tous les ennemis de 30% pendant 2 tours
et inflige dégâts égaux à 400% d'attaque. Ok. Et son passif augmente de 25% les dégâts subis par tous les ennemis via le malus électrocution et augmente les dégâts subis de 20% en étant affecté par un malus électrocution. Bon, ok, ça marche beaucoup avec du coup son skill électrocution, hein, voilà. C'est plutôt sympa, elle est plutôt sympa. Moi, je la veux plus parce que c'est Merlin, voilà. En vrai, les personnages, hein, je l'ai vu juste parce que c'est les personnages Ragnarok et que j'ai toujours réussi à avoir les personnages Ragnarok en 300 diamants, je crois, max. Donc j'aimerais bien avoir les deux personnages Ragnarok en 300 diamants max. Franchement, ça ferait plaisir. Je me suis fait shaft la dernière fois sur le portail KOF, même si j'ai réussi à avoir les personnages. J'espère que là, je vais pas me faire shaft et que je vais avoir un peu de chance et réussir à avoir les deux personnages en au moins 300 diamants. Enfin, le maximum 300 diamants, quoi. Alors, les autres, bon, il y a Gauzer Rouge, mais je pense que tout le monde l'a. Il y a toujours elle, bon, j'ai réussi à choper pour une fois, mais voilà. Et Brunhilde qui est aussi très très intéressante pour l'oiseau. Donc si vous l'avez pas, le portail peut être intéressant aussi par rapport à ça. Et bon, la petite Diane aussi, Ragnarok. Mais bon, voilà, c'est... Sincèrement, voilà, je l'ai dit, je le répète une dernière fois. Si vous n'avez pas beaucoup et que vous êtes free-to-play, gardez pour... pour le fest, tout simplement. Alors, allez, on veut elle et on veut Merlin. Sérieux, voilà, je veux les deux. S'il vous plaît, donnez-moi les deux en 300 diamants maximum. Puisque, bon, voilà, j'ai un peu de chance, s'il vous plaît. Donnez-moi un peu de chance sur cette DS. J'en ai pas eu, je me suis fait tellement shaft ces temps-ci. J'aurais bien un peu de chance. Allez, sur cette DS. Hein. Allez, ok. Ouh, premier nécessaire. Oh, franchement, là, on commence. Vas-y, allez, commence par un des deux. Commence par un des deux. Ça serait vraiment le feu. Allez, 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 allez. Lequel je veux le plus? Bah, je sais pas, en vrai. je sais pas. La Valkyrie, parce que bah, c'est un nouveau personnage et que j'aime bien avoir les nouveaux personnages. Mais Merlin, parce que c'est Merlin. Donc, on verra. Allez. Et si je peux avoir les deux dans la même première multi, ça serait le feu. Et le mec, il en demande toujours plus. Bon, ok, il est vers la fin, donc suspense jusqu'à la fin. On va stresser jusqu'à la fin, là, maintenant. Allez, au moins un des deux, ça serait bien. Franchement, pour la première multi, ça serait tellement beau. Allez, allez, allez. On est à la moitié, là, je crois. Ou c'est là, la moitié, peut-être. Allez, 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 on y arrive bientôt. Essayez de le passer. De pas le passer sans faire exprès, hein. C'est après. Yes. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh non. Oh non. Mais non. J'ai tellement cru que j'allais avoir un SSR intéressant. Oh, je suis deg. Bon, il est pas spéciste, mais j'aurais bien aimé la petite Merlin ou la petite Valkyrie, quoi. S'il te plaît, allez. Allez, allez, le jeu. S'il te plaît, ne me déçois pas. Oh là, ça sent mauvais là. Là, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, ça sent mauvais. Voilà, on va passer. Oh, franchement, j'ai pas les deux persos là. Je suis déprimé. Ah, je suis déprimé. Hein. J'ai toujours réussi à avoir les persos Ragnarok. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi au moins les persos Ragnarok. Ok, la branche, est-ce qu'elle va nous carrer avec la petite marque? On se fait pas défoncer, donc 50-50. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Allez, 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 allez. Vas-y, Meliodas, je compte sur toi. Gold, ok, toujours possible. Toujours possible. Possible. C'est fini. Le truc, aucun espoir après, tu sais. Enfin, non, non, mais c'est bon. Oh là là. Ah, je sens le shaft. Hein. Oh, oh, encore. La branche. Ouais, non, on passe. Y'aura rien. Y'aura rien, y'aura rien. Je commence à stresser sévère. Ah, si j'en ai aucun des deux. Enfin, allez, vas-y, vas-y. Ah non, mais il y a les yeux qui brillent, mais là, ça sent mauvais. Là, là ça sent mauvais. Oh là là, là là là. Ok, ok. Il n'y a même pas de suspense, quoi. C'est... Vraiment, le jeu il me dit non, stop, arrête de jouer en fait, il veut que j'arrête de jouer.
Ouais, je pense qu'il veut que j'arrête de jouer. Ok, SSR. Par contre, il y a Hawk. J'ai un peu peur, du coup. J'ai un peu peur. Mais il y a un SSR quand même. Donc, s'il te plaît, le jeu, donne-moi un des deux personnages. Allez. Allez. Avec l'épée de Lise, Thierry Goldé. Ok. Ok, d'accord, je le bats quand même. Je le bats. Et c'est un switch. Oh là là, mais. Ah, le stress. Ce qu'il y a Hawk, j'espère que je n'aurai pas un SSR. C'est le premier. Oh non! J'en ai marre! Mais pourquoi, toi? On s'en fout! Oh putain, mais non, sérieux! Ah, mais non, sérieux! Sérieux. Alors, on va l'appeler. Allez, s'il te plaît, viens. Voilà, on va faire la technique que je fais d'habitude. J'espère qu'elle va marcher. Ok. Ok. Allez. S'il te plaît. Est-ce qu'un orc arrive pour me m'annoncer plusieurs? Ah non. C'est. Allez, vas-y, il y a toujours un peu de chance. 50-50. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Il y a la marque. J'ai l'épée cassée. Allez, s'il te plaît, Meliodas. Vas-y, je crois pas en toi. C'est bon, c'est moi. Ah, mais sérieux. Mais le shaft continue, quoi. Le shaft continue. 210 diamants. Non. Et j'ai eu que deux Arthur. Tout pourri. Ah, mais non. Non, mais non. Ah, mais je suis dégoûté. Sincèrement, j'en ai marre. J'en ai marre. Sincèrement, j'en ai marre. Non, mais tu es sérieux? Ah, j'ai cru qu'elle allait avoir Escanor et tout. Le faux espoir. Ah, le faux espoir. La dernière multi. Bon, bah, la dernière multi. Dernière chance d'avoir au moins un des deux. Je sais même pas quoi dire en vrai. Hein. Là, je. Bon, ok, d'accord. Ok. Le jeu veut que j'arrête de jouer. J'ai même pas envie de. Voilà. Prendre Arthur. Voilà, Lydia, allez. C'est bon. C'est fini. Voilà. 300 diamants jetés à la poubelle. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Très très bonnes invocations qui me. Voilà. Bon, ben voilà. N'invoquez pas sur ce portail de merde. Gardez vos diamants pour le portail fest, hein, ça sera beaucoup mieux, je pense. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air qui fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, merci. Ciao.